Voilà plusieurs jours que les universités américaines s'embrasent autour de la guerre entre Israël et le Hamas. The Hamas terror attack on Israeli civilians 2 weeks ago and the subsequent Israeli bombardment of Gaza have roiled college and university campuses across the country. Un sujet explosif et des manifestants des deux camps parfois au bord de l'affrontement. Will you condemn Hamas as a terrorist organization? No, we will not. Why not? Why not? Get out of here. Get out of here. You do not belong here. There are literally people who support a terrorist organization on college campuses here in the U.S. Sur les murs de l'université George Washington, des étudiants ont carrément projeté des messages à la gloire du Hamas en qualifiant ses membres de martyrs. Des propos qui ont provoqué la colère de nombreux étudiants juifs qui se sentent de plus en plus menacés. They want our people dead. They want us killed. Une crise à l'université qui secoue la communauté juive dans tout le pays, de quoi faire réagir jusqu'à la Maison Blanche. When Jews are targeted, because of their beliefs or their identity, that is anti-Semitism. And that is unacceptable. Pas question pour autant de prendre position ou d'interdire les rassemblements. La directrice d'Harvard a dû s'expliquer en vidéo pour tenter de calmer le jeu. Our university embraces a commitment to free expression. That commitment extends even to views that many of us find objectionable, even outrageous. We do not punish or sanction people for expressing such views. Les universités américaines en pleine tempête, symbole d'une guerre qui dépasse largement les frontières du Proche-Orient.